Bonjour et bienvenue à vous, amis Verseau, en ce mois de février. Eh bien, on peut le dire, pour la plupart des Verseaux, joyeux anniversaire à vous, c'est votre mois. Le mois de février, le mois de l'amour, le mois de la lune, de la fertilité, ça vous va bien, vous qui êtes le signe humain qui s'occupe d'humanité. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? Dans ce mois de février, amis Verseaux, dans cette lecture guidance, nous allons le décliner à travers la grande roue astrale et nous commençons évidemment par l'énergie de base, l'énergie de fond, la maison numéro 1. Nous avons le pape. Le pape est une très belle carte. Elle fait partie évidemment des meilleures cartes, des trois meilleures, on peut le dire, du tarot de Marseille dans le sens où le pape fait le lien entre le divin et la terre. Le pape annonce toujours l'idée de bénédiction dans ce qui est prévu sur votre route, l'idée aussi très concrète de contrat, car on l'oublie souvent, mais le pape est très matériel en même temps. On parle de contrat entre des personnes, on parle de signature, on parle d'avancer ensemble sur un projet. Voilà. Là d'ailleurs, ça symbolise le mariage, hein, l'union si vous voulez. Donc le pape, évidemment, en énergie numéro 1, celle qui va être votre toile de fond en février, eh bien déjà vous protège beaucoup de tout ce qui pourrait arriver éventuellement, que nous verrons après, de mauvais ou de compliqué. En face du pape, en maison 7, c'est-à-dire qui est vraiment en face de vous physiquement, là on est dans des personnes en face de vous, nous avons la force. Mais cette carte représente la force tranquille. Ce qui veut dire qu'en face de vous, que vous ayez un compagnon ou une compagne, que vous soyez célibataire, il y a des gens, des personnes ou une personne qui est aussi très 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 bien dans une posture positive, dans une posture de calme, dans une posture qui vient aussi avec vous, enfin qui va dans le même sens que vous, dans le sens où la force tranquille, vous voyez que cette femme symboliquement ouvre la gueule du lion et il se laisse faire, hein. Sinon il a les griffes, on voit ses griffes déployées, ça l'énerve un petit peu, mais il se dit je n'ai pas le choix. Pourquoi n'a-t-il pas le choix? On ne sait pas. On imagine que c'est cette personne, ce personnage qui en impose tranquillement. Ça n'est pas pour faire mal, allez savoir, peut-être a-t-il mal à la gorge, c'est pour le soigner. Je plaisante, mais vous comprenez donc le fond de cette carte, une force tranquille. Alors, le pape et la force tranquille, évidemment, on les a comme ça. Le pape, la force tranquille en face, là, on est vraiment dans un équilibre, vous, l'autre par rapport à vous, les autres qui sont en face de vous. Vous êtes dans un bon milieu, vous êtes soutenu et vous-même, vous soutenez les autres. Et il y a un grand accord entre vous, couple ou amis, famille, etc., environnement. Dans la maison 2, là, on a quelques difficultés. La maison Dieu. La maison 2, c'est les finances. Ce sont vos possessions. Alors, que se passe-t-il en février? Eh bien, certainement, un événement imprévu, une dépense imprévue. La voiture qui a un problème, voilà, peu importe. Hein, mais il est évident que la tour qui s'écroule, la maison Dieu, dans les possessions et les finances, alors, ce n'est pas grave dans le sens où ce n'est que matériel, mais très enquiquinant. Donc, attendez-vous en février à avoir une dépense imprévue pour quelque chose. En même temps, en face, dans la maison des grands changements, nous avons l'impératrice qui est une carte magnifique. En quoi? Eh bien, l'impératrice, c'est la grande communicante du tarot, la grande stratège. Elle est représentée par une femme, l'impératrice, avec un sceptre, elle décide. Vous voyez qu'elle a un bouclier au niveau de son ventre qui a, sur lequel il y a un aigle, symbole de force, de puissance, même d'agressivité lorsqu'il le faut. Mais vous constaterez que cet aigle, avec son bras, ce bouclier, elle le prend, elle l'enserre, elle le tient avec une grande maîtrise. En ce sens, elle nous rappelle la force tranquille et elle le maintient au niveau de son ventre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, l'impératrice? Elle nous dit, moi, je suis tout à fait capable de décrocher la lune. Vous voyez qu'elle a le pied sur la lune.
Parce que lorsque j'ai un objectif, je mets mes sentiments de côté, je les maîtrise, tout ce qui vient de mon ventre n'existe plus et je prends mes décisions ou bien je pose des stratégies pour joindre, pour atteindre mes objectifs. Voilà qui est l'impératrice. Alors, le fait d'avoir, du coup, dans les changements, l'impératrice en face de la ruine, entre guillemets, de l'accident financier, du problème financier, bien tout simplement veut dire que vous allez pouvoir maîtriser mais totalement ce problème avec de la stratégie, avec de la communication. Vous pourrez peut-être demander à des personnes de vous aider financièrement sur ce passage-là, car il est évident que la maison Dieu qui est là indique un passage. C'est tout à fait exceptionnel, hein, c'est un petit peu la symbolique de la maison Dieu qui est fracassante quand elle arrive, mais qui est toujours très rapide en réalité dans ses effets. Donc, les gens vous connaissent. En plus, on voit que vous êtes, on le sait, hein, on a vu que vous étiez très soutenu, très admiré, très posturé parmi les vôtres. Donc, il y a certainement quelqu'un qui vous aidera, en tous les cas, par stratégie, par communication, vous passerez cette étape, vous en sortirez très bien, parce que l'impératrice est vraiment celle qui se sort de tout. Bon, demandez la lune, on vous la donnera. Bon, un passage compliqué financier ou au niveau de vos possessions. Ça peut être aussi votre maison, il y a une inondation ou le toit s'écroule sous la neige. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien. Dans la maison 3, le soleil. Alors, magnifique. La maison 3, c'est, vous voyez, on continue. Hein, c'est votre environnement immédiat. Les gens que vous fréquentez autour de vous, les communications avec les personnes. Bon, ben, le soleil, la lumière, l'honnêteté. L'amour, bien sûr aussi, hein, le feu, la passion, et puis évidemment, la vie. Hein. Alors, les gens qui sont autour de vous, avec qui vous vivez, proches, hein, là on n'est pas vraiment dans l'intime, eh bien, vous êtes soutenu, une fois de plus. Et en face, dans la maison 9, alors la maison 9, c'est tout ce qui est loin de vous. La 3, c'est proche. La 9, c'est loin, et on pourrait même dire dans la roue astrale, hein, attention, dans la roue astrale, que c'est ce qui va venir vers vous que vous ne savez pas encore de l'extérieur. Eh bien, l'ermite montre qu'il n'y a pas grand-chose en ce mois de février qui va venir vers vous de l'extérieur, ni en bien, ni en mal. Hein. Donc, en fait, l'extérieur ne sera pas très porté dans votre communication. Vous bétonnerez plutôt sur vos proches, peut-être justement parce qu'ils vont vous aider, mais l'ermite à l'extérieur nous montre qu'il ne faut rien attendre de l'extérieur, ça n'est pas un mois pour ça, on est centré plutôt sur soi-même et sur les gens que l'on connaît déjà, tout simplement. Dans la maison 4, alors le foyer intime, il y a le diable. Donc vous voyez bien que cette dépense, elle vient de là, elle vient du foyer. Alors, ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas, il faut que vous adaptiez à votre situation. Ça peut être aussi un enfant qui a besoin, qui veut partir à l'étranger pour ses études, enfin vous avez compris. C'est dans le foyer qu'il y a un souci financier irrémédiable, enfin comment dire, impromptu. Le diable c'est ça, ça a une énergie. Le diable ressemble vraiment à la maison Dieu hein, dans son énergie, c'est-à-dire que c'est une énergie flash, hein, voilà, paf, ça sort. Donc, on a vraiment un souci, un ennui, quelque chose qui est, dont il faut s'occuper. Et comme on a l'empereur en face dans le grand objectif du mois, c'est-à-dire comment on termine un peu son mois, on a l'empereur. L'empereur est une carte excellente, excellente. On a déjà l'impératrice ici en face de ce problème-là. Je vous ai expliqué comment elle maîtrisait les choses. Mais alors, l'empereur symbolise vraiment une maîtrise parfaite. Vous voyez que lui, il est carrément assis sur l'aigle. Ça veut dire, moi, les ennuis, je ne les connais pas, je ne sais pas ce que c'est, je prends mes décisions, j'ai toujours raison et ça marche. Alors, vous voyez que l'empereur, il forme, c'est le chiffre 4 d'abord, chiffre de stabilité dans toutes les philosophies et les religions, et puis il forme un 4 aussi avec ses jambes. Et oui, exactement, c'est la symbolique. Il a le monde dans ses mains, évidemment, il a le sceptre du pouvoir et le chapeau symboliquement du signe de l'infini. Alors, maintenant, si vous voulez, cet empereur, évidemment, va permettre une grande maîtrise de ce qui se passe au foyer. Alors, un coup compliqué à assumer, mais dont on aura totalement la maîtrise.
entre l'impératrice et l'empereur, vous voyez, il n'y a pas de hasard, c'est même le couple, eh bien, il y aura une maîtrise parfaite. Des gens vous aideront, et même, je dirais qu'il est tout à fait possible que vous ayez un ennui de justice avec quelqu'un par rapport à votre intérieur, à votre intimité, à vous, accidentellement, peut-être, quelque chose qui remonte à la surface, dans votre maison, le toit, bon, etc., on l'a dit tout à l'heure. Et même, on pourrait dire que l'empereur représente un défenseur qui vous donne raison, hein, au bout du compte. Dans la maison 5, nous parlons du bonheur en amour. Et nous avons l'amoureux. Et chaque fois, je suis obligée d'en faire la précision, et c'est bien normal, qui n'a rien à voir avec l'amour. Voilà. Alors, je mets toujours mon doigt pour que vous ne vous laissiez pas influencer. L'amoureux, comme le dessin, la symbolique de l'image l'indique, c'est un choix de vie. Alors, en amour, oh, disons dans le bonheur hein, plutôt, parce que le bonheur c'est plus vaste que l'amour, hein. Là on est dans le bonheur de votre vie, alors on ramène souvent ça à l'amour, parce que c'est vrai que ça y fait, l'amour des siens, l'amour d'un couple, etc. Mais dans le bonheur, donc dans l'amour, on voit que vous êtes à une croisée de route. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire tout simplement que vous êtes à l'éveil d'un changement. Une route à prendre, une ou l'autre. La première, la deuxième, la troisième, je vais en face, je vais à droite, je vais à gauche. Eh bien, voilà, il faut savoir ce que ça représente dans vos vies, un choix à faire, de toute façon, dans ce bonheur. Donc, est-ce que ce choix est par rapport à votre compagnon ou à votre compagne? Ça ne semble pas être le cas, car on n'a pas décelé de problème entre la maison 1 et la maison 7. Bon, alors, qu'est-ce que ça peut être? Comme on l'a dit, j'ai dit, peut-être un enfant qui part du foyer. Peut-être quelque chose qui se passe, qui est peut-être que vous apprenez que quelqu'un que vous aimez bien est en difficulté de santé ou a eu un accident. Il peut y avoir comme ça. Alors, ce n'est pas intime, hein, on n'est pas dans l'intimité, mais il peut y avoir comme ça quelque chose qui, dans l'amour, dans le bonheur en amour, vous met un peu à une croisée de route, à un chemin qu'il faudra prendre un peu différent de celui que vous avez actuellement en tête. Et pour corroborer cela, nous avons donc la carte du mat en face, dans les grands projets. Le mat, c'est « j'ai bouclé une étape et je repars vers une autre étape, une nouvelle étape ». Alors, je ne sais pas encore laquelle. On prend le minimum de ses affaires, l'essentiel dans son petit baluchon, et puis on part à l'aventure, avant de recommencer la nouvelle étape. Donc là, dans le bonheur en amour, quelque chose se passe. Vous avez une prise de conscience, votre famille change, vous vous retrouvez peut-être en couple, ou vous allez vous retrouver, vous en prenez conscience, l'un des deux prend sa retraite, si vous êtes en couple, et vous vous dites comment ça va se passer. Bref, il y a un changement, une réflexion sur une route qui vous emmènera à une route nouvelle. Vous voyez, c'est tout à fait ça, hein. Changement, disons, choix de vie à faire, parce que on a une autre voie à prendre dans quelque temps. Attention, c'est pas tout de suite, hein. Là, c'est vraiment une réflexion, hein. En fait, le mat, le fou, il est dans le chemin initiatique du tarot. Vous avez les 21 arcanes, arcane 1, battleur 2, 3, nanana, 21, le monde qui termine l'étape de vie, hein, c'est par étape de vie. Et après la 21, vous avez le mat qui revient devant le battleur. Moi, je l'appelle 22, le mat. Elle n'a pas de chiffre, c'est au tarologue de la nommer. Il y en a qui l'appellent 0. Moi, je la considère plus après la dernière étape parce qu'il réfléchit pour retourner vers l'étape 1, vers une autre étape. Il y en a qui l'appellent 0, il l'estime déjà ici. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais la symbolique sera toujours la même. Le mat a conscience qu'il a fini une étape quelque part, qu'un élément de la vie a fait changer éventuellement les choses ou changera les choses. Et il réfléchit, il repart sur la route, il ne sait pas en trop vers quoi, mais avec confiance, détermination surtout, allez, on y va, et on recommencera quelque chose, une autre étape, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout, c'est une autre étape. C'est tout à fait la symbolique de cette carte. Dans la maison 6 qui nous parle du quotidien, alors c'est un peu compliqué à comprendre ce quotidien, c'est tout ce que je fais au quotidien, l'énergie qui va me suivre pendant ce mois au quotidien, quand je me lève le matin, quand je fais ci, quand je fais ça, le travail où je vais, le rythme de vie que j'ai. On a la tempérance, grande communication.
Donc on voit bien qu'en ce mois de février, on l'avait déjà avec l'impératrice, vous allez avoir besoin, ou tout au moins, de toute façon, vous serez en grande communication au quotidien. Des papiers à faire, des coups de fil à donner, des amis à voir, des collègues, enfin peu importe, du soutien ou tout simplement de la conversation. Il y a véritablement donc la tempérance qui montre qu'on est sur des discussions, de la communication positive, donc porteuse de sens pour la suite. En face, c'est la maison des ennuis, la maison 12, soucis, ennuis. Bon. Or, nous avons la lionne de fortune. La lionne de fortune ou roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Donc, elle ne présage pas du tout d'ennuis. Elle présage au contraire une sortie des ennuis. C'est-à-dire qu'en fait, la lionne de fortune montre qu'un événement, une capacité, une compétence, une possibilité va vous permettre d'émerger de ces fameux ennuis que nous avons vus avec la maison Dieu et le diable. Alors, tout ça comment? Eh bien, par une grande communication certainement, les contacts pris et on vous donnera raison. C'est ça qui est important à comprendre. Il est évident que dans cette roue, il y a un événement qui se produit assez soudain et assez intense. Un événement compliqué, mais rien d'immaîtrisable. Au contraire, complètement maîtrisable par réflexion, par stratégie, parce que vous êtes soutenu, parce que vous avez certainement raison. Alors, je ne sais pas de quoi ça relève, mais vous êtes dans votre droit, d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous avancerez en réglant progressivement ce problème, assez vite d'ailleurs en février. Hein, voilà. Et il y a une seconde dynamique qui est plus intime, qui montre que quelque chose change dans votre foyer, dans votre intimité, dans votre amour des autres, enfin dans, votre, dans les proches vraiment que vous avez, qui vous met sur le départ, enfin le départ entre guillemets, d'une autre, vers une autre étape de vie. On ne la connaît pas encore, voilà. Et c'est votre temps anniversaire, en tout au moins pour certains, mais même ceux de fin janvier ne sont pas loin. Hein. Donc, si vous voulez, le temps anniversaire, c'est toujours une nouvelle dynamique. Hein. On le sait, hein, le soleil revient dans le ciel et nous dynamise. On est les rois de la fête hein, et c'est évident pour démarrer une nouvelle année solaire. Hein. Donc ça, c'est important. Voilà. Alors justement, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel, voire amoureux, pour voir pour exactement ce qu'on a. Alors, on se fait, avant de sortir ces deux cartes, on se fait un petit rappel sur l'axe relationnel, le 1-3-5. Nous avons donc sur vous le pape, grosse dynamique, en face, on vous soutient, compagnon, compagne, ami, famille, gros axe, magnifique, 1-7, soutien, on est à l'aise, on est béni. Dans l'axe du 3, hein, de 3-9, autour de vous, c'est là qu'il y a de belles choses qui vont se passer en février, pas spécialement de l'étranger, mais au contraire, autour de vous, on bétonne autour de soi et ça marche. Et l'axe 5, on voit que dans tout ça, on est dans une dynamique de croisée de route, d'une nouvelle, d'un tournant à négocier, d'une nouvelle étape qui vient vers vous et vers laquelle on prendra bientôt la route. Hein, on commence à en prendre conscience. Alors dans tout ça, quelles sont les deux cartes qui pointent le relationnel? Nous avons le changement, voilà, hein, off, et la carte bleue vide tous les possibles. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Mais vous voyez, l'oracle est coquin, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, l'oracle est coquin parce que quand on a le mat, c'est vraiment la symbolique de celui qui a conscience qu'il a fini une étape et que donc il va vers l'autre. Mais le mat, il ne sait pas où il va encore. Il a son expérience, hein, il se dit, bon, je vais, voilà ce que je ne veux pas, voilà peut-être d'ailleurs ce que je veux. Mais il ne sait pas exactement, c'est le principe du mat qu'on appelle aussi le fou, parce qu'il y va. Il y va parce qu'il sait qu'il faut qu'il y aille, mais vers quoi? On verra bien. Et en fait, cette carte bleue, elle ne nous en dit pas plus. L'oracle laisse toujours le libre arbitre aux gens à certaines étapes de vie. C'est ça qui est drôle. Ça, c'est tous les possibles. Alors, tout ce qu'on sait, c'est que vous vous dirigerez vers tous les possibles, mais ils seront ce qu'ils seront pour vous. Alors, on commence par la carte du changement. Très belle carte.
mutation, transformation, cycle, on l'a dit, variation, éclosion, renouveau, interaction. Cette carte représente le Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune, lorsqu'on fait une synastrie de couple, qu'est-ce que c'est une synastrie? Quand vous m'appelez pour une consultation privée, peu importe, et que je fais une étude de couple, vous me donnez votre date de naissance, gna gna gna, bon, et la date de naissance de l'autre, je fais une étude de synastrie. On appelle comme ça cela en astrologie, on met un ciel sur l'autre. Et la première chose qu'on regarde, c'est toujours le Soleil de l'homme, ou le Soleil a tendance masculine dans le thème, donc de l'homme en général, et quelles sont ces interactions avec la Lune de la femme, ou du principe féminin. C'est la première des choses que l'on regarde pour l'entente dans un couple. Donc cette carte qui vous parle de changement, qui symbolise, dont la symbolique a été prise avec le Soleil et la Lune, veut bien dire qu'on est dans un changement, mais on ne jette pas tout. On est dans une variation, on l'a dit. On est dans une éclosion de prise de conscience, dans un renouveau. Il y a des interactions, on a vu l'importance de la communication pour vous en février. Une transformation, une mutation. Vous voyez, on n'est pas dans je jette tout et je recommence. On n'est pas dans l'arcane 13, mort et résurrection. Alors c'est vraiment un changement calme, par prise de conscience, inéluctable, intéressant, et on le fait à plusieurs. Voilà. Et puis évidemment, on l'a dit, on en a un peu parlé, la carte bleue. Ce soleil magnifique que l'on connaît bien chez nous dans le sud. Je le crie dans le sud. Mais je suis persuadée qu'il y en a aussi dans le nord, dans l'est et dans l'ouest. Alors, le soleil avec quelques jolis nuages blancs, parce que ça serait un petit peu trop banal, hein, le soleil bleu, 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 bleu. C'est magnifique. Alors, on parle, ces nuages très légers, on les sent très légers, hein, ce sont des nuages vraiment légers. C'est normal, on a tous des vies un peu compliquées, on a du compliqué, mais ça, ils avancent, ça se lève, et on a toujours le bleu au fond avec le soleil qui met ses rayons dedans. Hein, on a un peu là le soleil. Ici aussi, aux quatre coins. Alors, ben voilà tous les possibles. Donc, on voit bien que relationnellement parlant, amoureusement parlant, eh bien, vous allez vers d'autres possibles, mais qui ne veulent pas dire des changements entièrement. C'est possible, c'est une autre façon aussi de prendre la vie ensemble. Hein. Ou bien, si vous êtes célibataire, alors évidemment, là, il est évident qu'on parle d'une future rencontre, mais pas vraiment en février. On n'est pas là-dessus en février, vraiment. On est sur une espèce de préparation et on va y aller très rapidement, hein, très rapidement. Mais voilà, hein, c'est les prémices. Alors, eh bien, nous allons voir maintenant la carte avec l'oracle du destin sacré, la carte du travail que vous aurez à faire en février. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez travailler pour, dans ce mois de février, aller vers les belles choses quand même, évidemment, hein, ou tout au moins suivre votre parcours de route pour vous. La fluidité. Alors, cette carte de la fluidité, on l'a déjà eue pour un autre signe, je ne sais plus lequel, elle est très belle. La fluidité, c'est un peu comme la force tranquille. C'est-à-dire qu'il faut laisser venir à soi ce qui vient, même les ennuis, et les traiter fluidement. La fluidité, c'est quoi? C'est le contraire de l'accro. Paf, 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 paf. C'est le contraire de l'énervement, évidemment. C'est le contraire du désespoir. Non, regardez. Là, on a, je ne sais pas si vous la voyez, je pense quand même, oui, on a le sombre ici, il peut arriver n'importe quoi dans la vie, mais ici, tout de suite, l'eau est éclairée, c'est une eau de lac, certainement, elle ne bouge pas, elle est fluide, elle est tranquille, et elle va absorber et gérer tout ce qui est à gérer. Un bel arbre au milieu qui est bien, qui profite de l'eau, hein, et puis évidemment la pleine lune qui inspire, qui est un summum d'énergie, qui vous envoie son énergie pour arriver à maîtriser les émotions. Hein. On est vraiment là dans une carte émotionnelle totale, et pourtant on nous dit fluide, tranquille, zen, comme on dit. Et c'est ça qu'il va falloir que vous travaillez, ami Verseau. C'est toujours très compliqué pour vous, la zen attitude.
parce que vous êtes un hyperactif. Hein. Vous avez tendance à pif, paf, allez, on a fini un truc, on en commence un autre. Et pourtant, voilà pour vous le travail à faire sur cette fluidité. Laissez venir, prendre calmement et gérer en ingérant et en remettant au jour. Et bien maintenant, vous avez droit, vous aussi, bien sûr, au conseil de l'oracle. Petit conseil pour vous, ami Verseau. J'ai dit Gémeaux tout à l'heure ? Je crois pas, je sais plus, c'est pas pourquoi ça me vient en tête. Verseau, bien sûr, hein, attention, on est avec les Verseaux. C'est un autre signe d'air, mais c'est pas pareil. Verseau, pour vous, le conseil de l'oracle avec l'oracle de guérison. Et oui, on a tous une guérison à faire. Hein. Plus ou moins importante, mais elle. Écoutez bien ce petit texte. Une étape à la fois. Ouh ! Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste. Ainsi, je retrouve ma légèreté de vivre. Tiens, légèreté, fluidité. Ouh, une étape à la fois, ami Verseau. Hein ? Vous qui en faites souvent plusieurs en même temps, ici, 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 ici. Le conseil, c'est ça. Restez bien dans le temps présent ce mois de février. Ça sera super important pour vous. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles décisions importantes, en cette fertilité, en ce mois de l'amour. Et je vous dis à bientôt.